de s'élancer avec Denis Darko qui a pris l'avantage alors qu'en seconde position vient Small and Mighty qui est là. On est là également avec Utopia des Grands Prés juste devant Pierre en Magic Moments qui va tenter de venir également. On est là avec le numéro 2, c'est donc Pierre en Magic Moments qui est là. Cohen's Time Lord est à l'arrière-garde du peloton, c'est Langhetto Gemina. La marche du peloton. Les concurrents vont maintenant aborder le début de la ligne opposée. On mène à une allure très sélective avec Denis Darko qui voit dans son dos Small and Mighty juste devant Utopia des Grands Prés qui n'est pas loin et qui va tenter également de venir parmi les premiers avec Denis Darko qui a l'avantage, déroule sa longue action. Small and Mighty qui vient maintenant avec Utopia des Grands Prés qui n'est pas loin. Brian Sun Venus tente de venir également à l'extérieur. Cohen's Time Lord est toujours à l'arrière-garde alors que ils vont aborder maintenant la sortie du tournant et le début de la ligne droite avec toujours Denis Darko qui a un petit avantage, mais Brian Sun Venus va tenter de venir l'attaquer. Cohen's Time Lord est là et tente de se rapprocher lui également. Les concurrents qui vont maintenant aborder une nouvelle fois eh bien, la phase finale de cette épreuve avec Denis Darko qui va tenter de repartir de plus belle et qui, lui qui a supporté le poids de la course avec Small and Mighty qui est dans son dos depuis le départ qui vient l'attaquer maintenant à l'extérieur. Les concurrents ici sont à moins de 100 mètres du disque final. Small and Mighty qui a pris l'avantage maintenant avec Matteo de S2VO et qui a pris l'avantage sur Denis Darko alors qu'on vient en troisième position avec Brian Sun Venus. On repart de plus belle maintenant avec Small and Mighty qui va mener sa tâche à bien et qui va s'imposer aux avoirs des poteaux. Denis Darko est deuxième, Brian Sun Venus est quatrième. On termine dans une très présente action avec Cohen's Time Lord à la quatrième place. 10 As et 7. 10 As 7, c'est l'arrivée de cette cinquième épreuve, le prix Equality France.